Bonjour YouTube, quatrième partie du coup, quatrième partie de la vidéo, voilà, sur le bras de fer héroïque en chaman. Pourquoi il y a pas le son? Si, elles sont, très bien. On est actuellement à 11-0 avec notre deck chaman à la Kyr. C'est le moment, c'est l'instant. On ne monétisera pas la dernière vidéo. Le 12-0 peut-être. L'exploit est en marche. Allez, on veut un zoo. 100% c'est un chaman. Un zoo. Ouais, oui. Et si dans 100 ans, notre relation existe encore, vous pourrez dire j'y étais. Allez. Si c'est Reno, c'est une meilleure nouvelle encore. Reno, on le viole aussi. On viole tout le monde avec ce deck. On viole tous les démos. Oh, c'est un Reno? Non. Oh, c'est un Reno, putain! Oh, mais du coup, je pièce le bac de mana tous les jours en fait. Genre, jamais il le tue. C'est ce qu'on appelle un plan de jeu audacieux, ça. Comme il joue Reno, on ne joue pas autour de la flamme infernale. Parce qu'il a qu'une flamme infernale dans le deck. Ça va, c'est bien ça, Miskin. Du moins que ça reste en vie, c'est incroyable en fait. On va gagner. Si Dieu veut. Et Dieu, c'est moi, Dieu. Il a piqué tellement vite. C'est 100% c'est un feu de lame. 100% c'est un feu de lame en voile de mort. Ce bâtard, il a piqué instant ce qu'il a pris. Je sais pas ce qu'il a pris, mais il l'a pris instant. Ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Ça va être la haine totale. Un tir, un mort. Ok, c'est ça qu'il a piqué instant. Très déçu de pas pouvoir Reno en tout cas. De pas pouvoir Drake Azure le portail. Mais du coup, on tempête everyday, il me chauffe-lit là. Mais genre, en fait, là c'est tempête et portail en gros. Ou est-ce qu'on fait juste totem? On va juste faire totem en fait. Et spell power. En fait, faut que ça fasse 3 là-dessus. Nye. Bon, le scénario est pas très bon. On a tenté un plan de jeu qui s'est mal passé. Mais on garde notre portail, c'est important. Hein? Comment ça? Ok. Bon, je pense qu'il joue Reno, mais c'est pas encore acté à 100%. Hein.
C'est pas encore acté à 100% qu'on a un Reno en face. Même si j'y crois, perso. Mais bon. Là, c'est Griffe. Maléfice. Genre, c'est Trade. C'est X. Genre, on est pas sûr à 100% qu'en face, il joue Reno. On est sûr à 99%. Ouais. Ok. Ça va être chaud, ça va être chaud. Hein. On va jouer safe un peu. Compliqué. Oh, c'est Kalakir dans le deck, c'est étonnant ça. On prend le plan de jeu de la sécurité. Je suis tellement. Je suis très déçu sur pas 12-0. Hein. Très déçu. Genre, le titre de la vidéo YouTube sera beaucoup moins bien, concrètement. On a plus de maléfices, c'est relou. Mais bon, le premier a permis de piocher beaucoup avec le bac de mana. Donc on aurait pas eu le deuxième aussi vite sinon. Ça se compensait. Ok, il joue Reno, il joue Reno. Il joue Reno. Imaginez, on fait Rose 3. Ce serait trop marrant en vrai. Pas du tout. Ça ne ferait personne ici. Est-ce que c'est Rag là? Oh merde. No way que ce soit grave le play ici, je pense. C'est sûr. C'est jamais rag ici. Genre, c'est jamais rag en fait, jamais. Genre là, on setup un vaillant incroyable au prochain tour. Genre là, on protège le vague de mana, il est incroyable ici. Alakir, il nous reste les deux totems langue de feu. Il nous reste les deux totems langue de feu. Donc on va vouloir impérativement faire langue de feu avec Alakir. Donc là c'est là qu'on est très content de pouvoir de maléfice, mais on a notre acte pour répondre. Oh putain. Alors si ça va dans un totem c'est cool. Yes. Ok, normalement la tempête de foudre va tellement être incroyable ici. Parce que là on peut faire Drake Azur, tempête. Sinon c'est Drake Azur déjà, c'est sûr. La vraie question c'est, est-ce qu'on doit tenter le totem spell power? En sachant que le totem spell power va nous permettre en plus de jouer la chose venue d'en bas. Donc j'irai tous les jours. Sinon dans tous les cas ça va sûrement être trade de tout concrètement. Enfin, est-ce qu'il faut tenter le spell power? Est-ce qu'il faut tenter le totem spell power? Oh, il faut, je pense. Hein. Ok, on a pas le bon totem, mais bon. Donc ça, faut que tu sais en fait. Ok, ça va. Ça s'est mis assez bien pour nous quand même, hein, globalement. On va trade les deux. Hein. Y a pas à chier ici. Hein. Y a pas de chichi, pas de chachat ici. Là, y a tous les jours ça. Allez, il se peut qu'il fasse néant distordieux. Il se peut qu'il fasse néant distordieux. Genre, y a un monde où il fait néant distordieux. Hein. S'il a pas néant, j'ai gagné hein, concrètement. À moins qu'il arrive à faire un truc ombre flamme de mes couilles. Ouais. Alors, l'intérêt du spell power le tour d'avant, c'est qu'on était sûr de tuer le Kodo en fait. C'était le seul intérêt du spell power. Mais on l'a quand même tué, hein, on l'a chaté. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça, c'est un bon tour ça. Parce qu'il va PO ombre flamme. Alors, s'il PO ombre flamme, c'est un bâtard. Parce que là, je suis méga chaud pour faire vaillant la prochain tour en fait. Vaillant plus griffe. Allez, pas de PO ombre flamme et nique ta mère. Allez! Miskina! Ah oui! Ah oui! Là je dis oui là. Donc là c'est vaillant. Everytime Choufli. Est-ce qu'on peut setup létal? On peut faire la griffe et Ragnaros. Non mais là c'est vaillant. 100%, 100% du tout. C'est vaillant, totem. La griffe. Et genre en fait là. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et Reno. Il ne peut pas et Reno et je clean mon board en fait. C'est pas possible. Et donc.
Le petit tweet. Voilà. Avez-vous des questions ou des commentaires? Avez-vous des questions ou des commentaires à faire suite à cette victoire? N'hésitez pas évidemment, hein, y a pas de souci. Voilà, voilà. Et bien sur ce, nous ouvrirons les boosters plus tard dans une autre vidéo, car je dois aller commenter un tournoi. Voilà, voilà. Donc c'est bien. On dit au revoir à YouTube. On a fait 12-0. Voilà, c'était rigolo. On est très content. Voilà, on dit au revoir. Hein. Je sais, je suis trop fort. Arrêtez. Je sais, le talent. Au revoir YouTube, salut, à la prochaine.